Salut à toutes et à tous, c'est Flanou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Primeria. Oui, ça faisait longtemps. C'est parti! Bon, alors écoutez, je sais pas si vous avez vu la rediff du live de mercredi. Si vous l'avez pas vu, allez la voir, elle est disponible sur la chaîne. On avait voté majoritairement pour faire une prison. Donc on a commencé la cellule de Mirolam qu'on a faite ici. Ce que j'ai fait, j'ai continué un petit peu les cellules hors caméra, mais je pense que je finirai avec vous en live tout ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vider toutes mes petites boîtes là, mes shulkers, et on va se rendre du coup dans le nouveau biome, qui est un biome où il y a de la pierre noire qui est vraiment trop belle, et je me dis que ça pourrait bien fonctionner dans la prison. C'est parti! Du coup, j'ai passé le portail et maintenant direction en 4160 plus 300, donc ça va être assez long le trajet. Je sais que Miro le fait en Elytra, mais franchement, j'ai trop la flemme de crafter les feux d'artifice et tout. Later. Regardez où j'arrive! Je crois que c'est le portail que Asphax et Miro ont fait pour aller, waouh, dans le biome du coup. J'espère que je vais y arriver parce que je sais pas exactement où c'est en fait. Donc, ok. Et après, il se passe comment? One eternity later. Oui, je vois le portail, il est là-bas. J'ai le monde entier à mes trousses parce que là, il pleut, il fait nuit. Je vous raconte pas, je me suis fait attaquer par les squelettes, des zombies, des creepers, enfin bref. Une vraie galère. Et j'arrive enfin au portail qui va me permettre d'aller dans la... Oula, il y a un creeper. Oula, il y a... Allez, vite. Ouf. Oh my god. Bon écoutez, je suis enfin là, je suis enfin dans le biome des basaltes. Oh purée, c'est trop beau, regardez. Dégage. Purée de patates. J'ai pas mon épée en netherite là. Oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants ces bêtes là. Donc a priori les magma cubes, hein, ils vont spawn essentiellement dans ce biome maintenant. Bon, en tout cas, on va récolter de la pierre noire. J'espère déranger personne. C'est trop beau ce biome, je kiffe. Qu'est-ce que vous en pensez du nouveau biome? Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel biome vous préférez. Franchement, je le trouve vraiment trop stylé. Ça fait vraiment un truc assez sombre et tout. C'est... Waouh, c'est vraiment classe. C'est trop beau. Déjà, je suis hyper fan du basalte. Mais la pierre noire, là, je trouve ça génial. Wow, je suis où, là? Il y a un endroit tunnel, là. Alors, bon, ouais, j'ai pas mal farmé le nouveau bloc, du coup, à savoir le bloc noir. J'en ai, quasiment deux shulker box. Et là, je suis arrivée, du coup, dans une forteresse de laine qui est non loin du portail, du coup. Donc, je vais regarder un petit peu. Et premier coffre, j'ai trouvé quand même deux diamants et de l'or. Donc, ça, c'est plutôt pas mal du tout. Donc, je vais ranger tout ça. Il y a la famille cochon qui arrive. La famille Pumba. Non. Ok, c'est bon. Une côtelette. C'est pas mal comme source de bouffe, ça. Hein. Oh ouais, c'est cool. Oula, mais par contre, il y en a beaucoup. Mais c'est vraiment la famille des porcs, là, en fait. C'est la tribu. La tribu des cochons. Va-t'en, porc. Mais purée. D'où il nous tape de si loin, lui. C'est quoi? T'as une range ou quoi? Tricheur. Quand tu regardes vers le sud, ça tape plus fort ou quoi? Purée. Allez, là. Ah, il y a un champignon. Parfait. Ce champignon va me sauver la vie, regardez. Ils en ont peur. Voilà, va-t'en, ouais. T'as vu le champignon. Moments later. Suite de mes aventures, je suis arrivée dans un biome de basalte, là, que j'aime beaucoup. Enfin, les biomes, les Soul Sand Valley. Ils permettent d'avoir énormément de bone meal grâce à ces os-là, là, ces ossements. Pour le moment, toujours pas de bastion en vue. Je garde espoir. Bon, on verra. On verra. Je me fais tirer dessus par un squelette depuis tout à l'heure et je survis. Hop, allez. Ferme un peu, toi. Donc, ouais, pour le moment, voilà où j'en suis. A priori, les bastions se génèrent partout. Enfin, peuvent se générer partout dans le nether. Excepté dans, du coup, le nouveau biome. Qui est le nouveau biome de basalte. Donc, voilà. Oh oh! Je crois que j'ai déclenché l'enfer là!
Oh my god. Alors attendez, on a des problèmes là. Oh mince alors. Il n'y a que moi que ça arrive ces histoires là. Hein. Bon bah je cherche un bastion hein. Je cherche un bastion. Oh my god. C'est pas possible. Regardez ce que j'ai trouvé. Bon là c'est grave le bazar. J'espère que quelqu'un n'est pas passé avant moi. Mais regardez, j'ai trouvé une structure. Non, personne n'est passé, je pense pas. Ok, avec une armure pour cheval et des pépites de fer. Et sinon, il y a de l'obsidienne qui pleure et il y a un bloc d'or surtout, regardez. Bon, il y a plein de gaz qui m'agressent, mais bon, regardez un bloc d'or. Oh, c'est bon. Je croyais qu'il était tombé dans la... Il me gonfle les gaz, vous imaginez même pas à quel point. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un portail du Nether. Avec une pioche fortune 1, mais what? Mais c'est quoi cet endroit? Attends, mais ça, attends, on va repasser vite fait. On va passer dans le l'overworld vite fait, mais ça c'est pas quelqu'un qui l'a fait. C'est un portail magique. Ouais, c'est même pas généré. Ah, c'est un portail magique, regardez où je suis. Trop ouf, trop bien. Bah au moins là, j'ai un petit peu de répit. Ça me fait pas de mal, je vous l'avoue, parce que bon... Tout à l'heure, je fais que de me faire tirer dessus par les gars, ça me fait péter les plombs. Du coup, je vais juste me faire une petite plateforme rapidement. Non, je suis tombée. J'en ai marre. J'en ai trop marre, je vais juste me faire une plateforme. Ok, donc, je voulais juste me faire une plateforme, en fait, pour... poser mes shulker box et tout et mettre ranger un peu en fait. Là c'est le gros bazar. Donc du coup, hop, donc cette shulker elle est pleine. Je vais prendre celle-ci. On va remplir celle-là aussi. Donc de l'or, des os, ça, ça. Je suis quand même très étonnée d'avoir trouvé ce portail comme ça dans la nature. Je sais pas si c'était censé être là ou pas. En tout cas, bon, on a eu pas mal de trucs donc je suis plutôt contente. Oh my god! Je viens de m'endorperler, regardez ce que j'ai trouvé. Non mais attends, Miro il m'a dit que c'est grave mortel. Hein. J'espère que je vais pas crever là. Alors attends. Y a pas de succès quand on arrive dans le bastion. Purée, quel dommage. Oh mais regardez, c'est trop beau, il y a des chaînes et tout. Attends, les chaînes, je vais les prendre, ça nous économisera... ça nous économisera les blocs. Et les lanternes aussi, tiens, tant qu'on y est. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a... Oh mais ça se trouve, c'est le bastion que Miro a fait. Ça se trouve, Miro, il l'a fait parce qu'il n'y a pas de mobs, et normalement, c'est censé être grave dangereux et avoir grave des mobs. Oh, c'est celui-là qu'il a trouvé, parce que... Je sais pas. Bon, on va voir. Si c'est celui-là qu'il a trouvé, je suis dégoûtée. Bon, je vais farmer la pierre, du coup, tout ça. Et puis, je suis contente d'avoir trouvé le bastion, quand même. Même si... Oula... Même si, je sais pas, il est peut-être déjà fait, mais bon, on va voir. En tout cas, je suis quand même contente de l'avoir trouvé, parce que depuis le temps que je suis dans le Nether, ça va me faire péter les plombs, je vous jure. On est censé être où, les monstres, là-dedans? Il m'a dit, il y a des spawners. Oh, oui, j'ai trouvé de l'or. Oh my god, regardez, j'ai trouvé... Oui, notre premier minerai d'or noir. Je suis trop contente, même s'il a déjà été fait, du coup, je suis trop contente. Waouh, c'est grand. Oh, non mais obligé, c'est celui que Miro a dû déjà visiter. Je lui demanderai... Oh regardez, il y a de l'or noir encore. Oui, oh. Oh, j'ai de l'or noir, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse, je m'en fiche s'il a déjà été visité, je suis trop heureuse, j'ai de l'or noir. Mais en plus, il y avait un portail juste à côté, donc c'est possible. Hein. Oh, il y a de l'or là-bas. Je crois que j'ai vu un bloc d'or là. Attends. Comment je fais pour monter? On est comme ça. Hop. Hop, il y a de la lave et tout. Voilà. Oh, regardez! Ah si, j'entends des mobs. Oh, regardez, on a trouvé ces blocs-là aussi. J'entends des monstres. Je sais pas où ils sont. Oh! Oh, il y a des coffres, là! Attends. Ça a déjà été pris, hein, mais bon. Oh,
il y a des placements en or et tout. Oui. Je sais pas s'il avait déjà été fait, du coup. Oh, je pense que oui, regarde les blocs qu'il y a. Miru m'a dit qu'il y avait des trésors ou je sais pas quoi, et là... des blocs tout pourris. Bah, je sais pas, du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que le bastion avait déjà été fait ou pas? Ou est-ce que je suis tombée sur un bastion du pauvre? Mais je pense que ces coffres n'avaient jamais été lootés, parce que comment ils sont disposés, c'est un peu bizarre. Je sais pas du tout. En tout cas, je suis quand même contente, parce qu'on a vu notre premier bastion. J'ai eu de l'or noir, et ça, c'est trop trop cool. Et puis, on a du coup de la pierre noire, qui est une nouvelle pierre dans Minecraft. Donc ça, je suis trop 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 contente. Attends. Wow, attends, il y a un escalier et tout, là. Attends, je crois que c'est la mine du donjon, là, ou un truc comme ça. What? Non, mais attends, Planou, elle est paumée, là. Je suis perdue. Attends, c'est ici, la mine du donjon, ou c'est quoi le délire, en fait? Mais j'entends des pigmen, donc il doit y avoir une salle secrète ou quelque chose. Attends, faut regarder, je crois, les entités dans le E. C'est où, le E? C'est pas en bas. Ça a l'air d'être par là. Je vois 24 entités par là. Later. 29, 30 par là, attends. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais bon, en tout cas, on aura plein de pierres noires et plein d'or noir. Later. Et là, il y a encore une mine, on dirait. Non mais attends, il doit y avoir des secrets là-dedans. Vous avez vu comment ça fait? Ça fait trop de trucs qui serpentent et tout, c'est un peu bizarre. Attends, ici j'ai fait les secrets. Wow, regardez. Wow! Oh my god! Non mais ça c'était grave un secret! Regardez, j'ai trouvé plein d'or! Oh là là, c'est incroyable! Oh, c'est trop bien. Attends. Hop. Là j'ai 16 trucs d'or noir. Je sais pas si c'est au-dessus ou en dessous en fait. Ah, de l'or. Ouf. Ça descend grave bas, en fait. Là, plus je remonte, plus je les entends. Écoutez. Ils doivent pas être loin. Ah, ils sont pas loin du tout, là. Ah, ils sont pas loin du tout. Je les entends de ouf. Je les ai trouvés. Oh my god. Alors, est-ce que c'était un secret ou pas? En tout cas, il y en a 3 milliards. Il vient, lui. Oh! Non, mais il y en a plein! Ok, ils étaient tous là, en fait. Ok, est-ce que je les ai tous tués, là? Mais c'est même pas un secret, ici. C'est naze. Pourquoi ils étaient ici? Attends, mais c'est même pas un secret! C'est tout naze! Ok, bon, eh bien, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je suis vraiment très très contente d'avoir découvert ça avec vous. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très vite sur la chaîne, en vidéo et en live. Plein de bisous. Bye bye. Bye. Oui. Un énorme merci aux membres de la chaîne pour leur soutien, plus particulièrement aux membres Emeraude, Gab, Tatsumi, Harry et Takumi. Merci à tous, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne en vidéo et en live. Plein de bisous, bye bye.